Il y a les poteaux, regardez, il y a un petit escargot, regardez. Regardez, un magnifique escargot, regardez. Je sais pas si on va voir, il est là. Voilà. On va faire un petit tour des plantes. Donc regardez, déjà le hêtre a perdu beaucoup de feuilles. Les petits sapins, voilà. Donc il y a la petite jacinthe ici, elle est magnifique. Magnifique jacinthe. Là, il y a l'olivier que j'avais taillé en boule. Vous voyez, une belle boule. Elle est quasiment parfaite, la boule. Vous voyez ? Le conifère. Les petits géraniums. D'ailleurs, il refait un bouton, là. Voilà. Là, l'aunoisetier qui a perdu toutes ses feuilles. Il ne reste plus qu'une. Donc, c'est l'automne. J'ai le bon... Il y a ici, il y a le bambou Fargisia. Voilà. Je crois qu'il va me refait une pousse ici. J'avais tout taillé, mais ça refait deux pousses. Vous voyez. Le myrtillier, j'ai déjà tout mangé en fin août, début septembre. Plutôt en septembre, voilà. Donc il y a un peu tout, érable, la plante carnivore, elle est très belle. Il y a ça d'ailleurs, il y a le cactus, il y a les feuilles là de je sais plus quoi, de tri du Japon. Et il y a tout est tombé par terre, vous voyez. C'est incroyable. Voilà. Donc il y a l'abricotus, enfin l'abricotier. L'abricotus, n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? Abricotier, voilà. Très joli. Là, il y a le petit nectarinier. Voilà. Cerisier. Petit cerisier. Et d'ailleurs, j'avais taillé les branches. Là. Le petit framboisier ici, qui est magnifique. Le petit séquoia. Le petit... cerisier qu'on a vu l'autre jour, le petit cerisier également nain. D'ailleurs, j'ai vu il y a des branches fruitières. Je sais pas si on va voir. Ah, j'arrive pas à voir ce que je filme. Attendez, j'arrive pas à voir ce que je filme. Voilà, là c'est mieux quand même. Et là par là, il y a des branches fruitières. Donc j'espère avoir quelques cerises l'année prochaine. Et voilà, là, le pêcher nain qui a perdu plein de feuilles cette nuit avec la pluie. Et le petit rosier et le carré potager. Donc allez, ah oui, et puis YouTube a effacé ma vidéo hier soir. Donc j'ai essayé de faire moins de vidéos parce que ça me déçoit. À cause de YouTube, bah, vous allez voir moins de vidéos. Enfin, vous savez, en ce moment, je fais moins de vidéos. Des fois, pendant deux jours, je sors pas de vidéos parce que j'ai plus d'idées. J'essaie d'en sortir un minimum quand même. Mais voilà. Bon allez, ciao.